Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Voilà pour ce nouveau café des langues et cultures de l'Odyssée. On est là dans notre format de café méditerranéen. Voilà, avec en partenariat avec la Fondation Roberto Cimetta. Manuel de Brinet, qui en est la présidente, animera ce café. Voilà, c'est le deuxième café méditerranéen. On avait commencé avec Tanger, on poursuit notre tour de la Méditerranée. On est encore qu'au début. Voilà. Aujourd'hui, c'est Beyrouth. Voilà, nous avons deux invités, deux femmes à l'honneur, deux actrices culturelles du Liban. Voilà, que vous découvrirez. Je vais laisser Manuel juste après les présenter. Voilà, quand on avait lancé, et Tanguy le rappelait tout à l'heure, quand on avait lancé les cafés langues et culture et les cafés méditerranéens, voilà, on savait que ça avait un intérêt dans le moment, mais malheureusement, je ne pensais pas qu'en fait, ce serait indispensable encore au mois d'avril. Donc, on va évidemment continuer, vous proposer encore d'autres cafés en ligne qui nous permettent de nous échapper aussi de nos contraintes physiques. Chacun dans son pays limité. Ça nous permet de faire nos rencontres virtuelles maintenant avec les outils qu'on maîtrise un petit peu mieux qu'il y a un an. Voilà, alors peut-être une petite consigne. Donc vous avez les micros fermés, vous pourrez les ouvrir quand vous avez une question, juste après le temps d'échange. Et puis ce format est enregistré. Donc si ça vous gêne, vous pouvez couper votre caméra. Voilà, c'est parti. Je laisse maintenant la parole à Manuel. Merci encore pour ta présence et ton engagement dans les cafés méditerranéens. Merci Thibault, merci à l'ODC pour cette deuxième étape des cafés méditerranéens. Ces cafés méditerranéens, ils sont l'objet d'un parcours urbain, puisqu'on va à la rencontre de villes, les villes de Méditerranée qu'on va explorer petit à petit sont toutes, à un moment ou à un autre, ou en tout cas à un niveau ou à un autre, sont toutes mythiques. Et celle de ce soir l'est autant que Tanger, voire même peut-être plus encore que Tanger l'était pour la dernière fois. Beyrouth, c'est vraiment une ville absolument extraordinaire et j'espère que cette soirée et avec nos deux invités va vous faire toucher du doigt pour ceux qui ne la connaissent pas combien c'est vraiment formidable. Et je ne peux que vous conseiller quand on pourra voyager d'y aller, de prendre la mesure de la richesse de cette ville, de la formidable énergie de ses habitants, quelles que soient les conséquences et les circonstances. Et en ce moment, les circonstances sont vraiment difficiles. Voilà. Le Liban, c'est
tout petit pays, puisque c'est la taille de deux départements français. La ville de Beyrouth n'est pas une très grande capitale. Pourtant, c'est vraiment un pays qui a retenu depuis tout temps toutes les attentions, parce que c'est un pays d'une extrême richesse culturelle, évidemment d'une grande et richesse aussi religieuse, bien sûr. C'est un carrefour des civilisations entre l'Occident et l'Orient, une mosaïque culturelle absolument phénoménale et fabuleuse. Et si je peux me permettre un souvenir personnel, j'ai découvert le Liban en 97, en 1997. Donc, au fond, peu de temps, peu d'années après la fin de la guerre. Et grâce à Pascal Ségani, que vous allez entendre ce soir, et ce qui m'a beaucoup frappée, c'était l'énergie de la création contemporaine et le nombre d'artistes rencontrés, la formidable diversité et transversalité des expressions culturelles. Qui vraiment était extrêmement percutante, je dirais. Voilà. Donc ce soir, j'avais fait le choix pour Tanger, ceux qui étaient là s'en souviennent, de donner la parole à deux Français qui avaient choisi d'habiter cette ville. Ça me semblait intéressant d'avoir cette parole-là. Ce soir, ce sont deux femmes libanaises, béroutines même, voilà, à qui j'ai demandé de témoigner. L'une que je connais depuis très longtemps, donc Pascale Feghali. Pascale est anthropologue, cinéaste. Elle a créé un festival donc dans la fin des années 90, un festival pluridisciplinaire et de création extrêmement contemporaine. Elle travaille en lien avec l'université, puisqu'elle enseigne à l'université Saint-Joseph. Elle est aussi un chercheur, hein, elle est rattachée au CNRS. Donc voilà, une personne qui a aussi vécu, qui est née au fond dans ces années de guerre, qui a vécu toute cette guerre et qui vivait aussi le long de la ligne de démarcation. Pour discuter avec elle, pour converser avec elle, pour échanger, et elles se connaissent, c'est Rita Basile, qui à la fois est journaliste, mais surtout écrivain et poète, et qui va donc aussi nous parler de son vécu de Beyrouth. Toutes les deux sont parties à un moment de Beyrouth pour y revenir. Et donc, à des moments où presque elles se sont croisées. Donc, ça va être intéressant dans leur dialogue de voir comment elles se sont croisées, à quel moment, et ce qu'elles ont emporté quand elles ont quitté le pays de Beyrouth, et ce qui parle de Beyrouth en elles quand elles sont effectivement hors du pays. Je dirais juste une chose qui m'a beaucoup frappée quand on a échangé hier avec Rita et Pascal. J'ai noté cette phrase que je trouve absolument percutante, oui, frappante. Rita a dit: la première fois que j'ai vu Beyrouth, et elle est née à Beyrouth, hein, en 1977, si tu permets, Rita, donne cette date. La première fois que j'ai vu Beyrouth, j'avais 17 ans, c'était en sortant du réduit chrétien. C'est-à-dire, c'était au fond en sortant de la guerre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument frappant et qui dit aussi toute cette fracture qui existe encore à Beyrouth, qui a existé, qui existe à d'autres endroits, pas la même fracture, mais qui, quand même, ce pays est fracturé. Alors, évidemment, on ne peut que penser à cette terrible explosion du mois d'août dernier, où effectivement, en y allant en décembre, moi j'ai vu Beyrouth fracturer vraiment. Et ça m'a autant frappée, et peut-être plus encore que quand j'ai vu Beyrouth en 97, où il restait encore des vestiges
de la guerre. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Rita et à Pascal. Je ne sais pas qui commence de vous deux et comment vous engagez la conversation. Ouvrez vos micros. Vous ouvrez mon micro, Rita et Pascal. Voilà, Pascal, Rita. Allez, oui. Allez, Pascal. Oui. Allez-y. Tu veux commencer, Rita? Peut-être que je peux parler un peu de cette première découverte de Beyrouth, cette vraiment réelle, parce qu'en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Manuel, c'est vrai que plus je prends du recul, plus je trouve incroyable quand même cette découverte de mon propre pays qui s'est faite à la sortie de la guerre, comme tu l'as dit joliment, parce que la première fois, donc j'avais 17 ans et je me suis hasardée seule à pied. J'étais très méfiante parce que je ne savais pas du tout. Déjà, je ne savais pas comment arriver, donc je me suis dit, je vais demander où est la mer. Parce qu'en fait, je vivais dans une banlieue très proche, mais je n'étais pas proche de la mer. Et je me suis dit, je n'ai qu'à demander où se trouve la mer et je vais finir par arriver. Donc, je demandais, elle est où la mer? On me disait tout droit. Et arrivé à l'ancienne ligne de démarcation, je n'ai pas osé prendre un taxi en commun ni un transport en commun. C'est là où j'ai continué à pied, en fait. Et en demandant où se trouvait la mer, et je découvre Beyrouth vraiment ouverte, vraiment des entrailles ouvertes, parce que il y avait la reconstruction qui se passait, et en enlevant les tas de pierres détruites par la guerre, on découvrait 17 ou 19, 17 civilisations enfouies, et il y avait les objets, des masques, des sarcophages, et ça m'avait vraiment fortement interpellée parce que je découvrais à la fois peut-être pour la première fois vraiment l'histoire, mais l'histoire qu'on ne nous a jamais racontée, mais des outils d'histoire qui vont m'habiter. Et je ne vais écrire cette expérience en poésie que 2 ans plus tard quand je serai à Paris et après être... en fait, parce que la guerre a précédé ma naissance et je suis partie... Quand je suis partie à Paris, c'était un départ que je pensais définitif. Et j'étais seule, j'étais en rupture très violente avec le Liban parce que j'avais toute cette douleur de la guerre et j'étais vraiment en fuite et j'étouffais parce que j'avais connu le Liban des communautés, même s'il est toujours là, mais ça c'est assez complexe, on peut en parler petit à petit. Et donc cet appel de la mer, cet appel de toutes ces... De ce pays que je ne connaissais pas et qui était le mien, dans cette partie donc, du centre-ville avec un no man's land, de la destruction partout et des objets, de la beauté. Et là, j'ai vraiment, la ruine était, j'ai trouvé belle la ruine et j'ai eu du mal très longtemps à le faire comprendre à beaucoup de personnes. Et même aujourd'hui, je suis, parce qu'il y a la pandémie, donc je suis bloquée à Beyrouth depuis plus d'un an maintenant et je n'ai pas envie de partir même s'il y a eu cette énorme explosion. J'étais là, c'était très traumatisant pendant deux mois. Le temps s'est arrêté et on entendait en permanence l'explosion arriver, le tremblement, tout ce qui bougeait, même un vent pouvait nous ramener à ce tremblement de terre que nous avons ressenti avant l'explosion. Mais bon, alors tout le monde appelle ça de la résilience, mais nous avons beaucoup de mal avec ce mot-là, de plus en plus. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. C'est quelque chose de biologique, de végétal, avec la ville, une appartenance, un appel comme ça qui nous garde. Parce que je suis bloquée, mais c'est volontaire aussi. Je n'ai pas cherché à partir cette fois, cette année, du moins. Enfin, et donc l'autre, la découverte de l'autre, entre guillemets, que va peut-être évoquer peut-être tout de suite Pascal, je ne sais pas, parce que toi tu as découvert Sana hier. Moi, cette découverte de l'autre s'est faite, l'autre communauté s'est faite bien plus tard. Ma première relation était à la pierre, à la destruction, aux objets en fait, et aux fantômes de la ville, parce qu'elle était inhabitée.
Je bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde. Je répondrai à Rita par un texte que j'avais écrit lorsque, en fait c'est un livre hein, sur Sanaa, c'est pas pour faire de la publicité, mais c'est juste pour dire, hein, sur un quartier de Beyrouth, qui c'est un quartier musulman sunnite. Et je commence l'introduction en disant « Je suis Beyrouthine, née et ayant vécu à Badaro, à proximité du musée national, qui est constitué durant la guerre civile libanaise, l'une des lignes de démarcation entre la partie est et la partie ouest de Beyrouth. J'habitais dans la partie est, c'est-à-dire chrétienne de la ville. J'ai changé mon point d'ancrage en m'installant à Sanaa en 2001 pour y mener pendant 4 ans une enquête en anthropologie filmique. Je découvrais de nouvelles traditions, des habitudes de vie, ainsi que des rituels partagés par une communauté musulmane sunnite. Beyrouth me paraissait de plus en plus grand. Les limites auxquelles j'avais été confrontée pendant la guerre, habitant dans la partie est de la ville, reculaient. Le regard exotique que je pouvais parfois porter disparaissait petit à petit, car vivant à Sanaa, je n'avais plus cette distance qui permet l'exotisme. Progressivement, je faisais partie de ce lieu. Ma vision s'élargissait peu à peu en fonction des événements meublant le quotidien. J'observais, mais j'étais aussi observée. À travers ce double regard, c'est créé la rencontre avec les gens. Donc, ça rejoint un peu ce que Rita, dont Rita parlait, dans la découverte de l'autre. L'autre, c'est-à-dire de sortir de ce qui nous limitait essentiellement, puisqu'on vivait à côté des lignes de démarcation. Et c'était justement cette soif, cette curiosité d'aller vers l'autre, de le connaître. Et ce que j'aimerais, si Rita a la possibilité, c'est de nous lire un peu son poème par rapport à ça, pour nous entraîner un peu plus dans cette voie. En fait, je peux lire d'abord un poème que j'ai, de mon recueil, mon premier recueil de poésie, c'est On voit à Beyrouth, une façade. J'ai choisi à l'époque, j'avais 19 ans quand j'ai sorti ce recueil, une façade en or parce que je sentais que j'étais très fascinée par ces masques phéniciens qu'on avait sortis des sarcophages et les murs de Beyrouth me paraissait pareil à ces masques d'or. En fait, c'était des visages de rois sur lesquels, en fait, on mettait de l'or à leur mort. Et donc, on découvrait comme ça. Et Beyrouth me paraissait pareil. C'est-à-dire qu'on faisait des opérations, une opération chirurgicale. On voulait réparer ces façades, mais l'intérieur était détruit. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'y a vraiment pas de travail vraiment profond, collectif, de mémoire. Alors, oublions un travail institutionnalisé, il n'existe même pas. L'État, d'ailleurs, on assiste à tout cet effondrement aujourd'hui puisqu'il n'existe pas. Il n'a toujours pas... Enfin, il n'y a jamais eu une construction vraiment d'un vrai État-nation depuis la naissance du Liban. Et d'ailleurs, donc je vais juste vous montrer, enfin, lire à la demande donc de Pascal, ce poème qui, après l'explosion, en fait, du 4 août dernier, m'a été envoyé par un ami qui l'a relu et ça m'a beaucoup émue. À la fois, je trouve que nous retournons un peu à cette à la même, un peu à la caisse départ, après 90, la guerre civile qui se termine et nous sommes toujours face à cette destruction, en fait. Donc je lis donc ce poème de jeune, enfin écrit à l'époque. Le spectre sous les décombres. Le spectre sous les décombres retrouve ses clés. Tremblant dans ses haillons, le voilà, allant vers la porte de sa maison. Le sang figé sur ses entrailles, la peur agrippée à son cou. La clé n'ouvre plus la porte. Ses doigts, cassés par le vent, s'écrasent contre le loquet. Personne n'ouvre la porte. Il contourne la maison, façade vide. Pas de maison dans la maison. Il décide alors de pleurer, mais la mort lui a pris ses larmes, cristallisées dans le coin de ses paupières couvertes de sable. Il se met à rugir, secouant son corps, poussant silencieusement ses cris.
à faire fuir les vivants, la clé bien posée sur son cœur. Merci. Ce que dans les propos que vous avez toutes les deux, il y a quelque chose qui est à la fois terriblement, enfin, que je ressens comme une grande fragilité, enfin quelque chose de oui, à la fois de fragile, mais il y a dans ce que vous dites et dans la façon dont vous décrivez les choses, il y a une force de structuration quand même. Je veux dire, ce que vous avez vécu, cette enfance que vous avez eue de cette façon-là, c'est aussi quelque part une construction spécifique, tout à fait spécifique, dont moi j'aimerais bien savoir. Cette construction dont on sent qu'elle vous habite, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez passé une grande partie de votre enfance dans un état de guerre, dans un état d'immense précarité, au sens effectivement d'être dans les abris et puis ressortir, et puis voilà, donc un temps haché de la vie sur plusieurs années, donc qui crée aussi. Un rapport, j'imagine, au superficiel de façon. Enfin, il y a des choses qui doivent vous paraître, en ayant vécu ça et de façon forte, totalement aléatoire, totalement dérisoire, hein, parce que quand on est construit dans l'enfance avec ça. Mais dans le même temps, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous reste de ça aujourd'hui dans votre vie de Beyrouthine, de libanaise, voilà, qu'est-ce qui vous reste de ça, qu'est-ce qui vous et comment, quel regard vous posez sur votre ville maintenant, dans ce qu'elle vous apporte, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle pourrait être. Moi, je pense que le fait d'avoir été dans un espace restreint nous c'est assis, on ne t'entend pas très bien, Pascal. Éventuellement, Pascal, tu enlèves ton. Tu enlèves ta. Pascal, enlève ta vidéo pour avoir plus de flux sur la parole. Si on va, une fois que tout sera réouvert, etc., on va vraiment chercher à aller vers l'autre, vers le différent et à essayer de le connaître. C'est-à-dire à nous rendre plus tolérants, quoi, tout simplement. Oui. En fait, moi, ma première rencontre a été très, très violente avec l'autre, en fait. Et elle s'est faite à Paris. Aujourd'hui, en fait, cette personne est devenue une amie intime, d'ailleurs, qui est née. C'est une amie d'une autre communauté que la mienne, donc forcément musulmane, et qui est née à Paris. Et vraiment, je pense qu'on a failli passer au physique la première fois que nous avons discuté de politique, donc en 96, à mon arrivée à Paris. Et après, je pense que la vraie sortie, une vraie sortie du réduit chrétien, de la communauté, se fait vraiment par la sortie du récit. Et une sortie du récit prend beaucoup de temps, en fait. Il y a deux sorties. Il y a la sortie du récit et bien sûr le travail qu'on fait. Moi, j'ai fait une psychanalyse qui a duré 10 ans pour pouvoir vraiment me libérer de tous ces traumatismes que j'ai pu vivre, de la violence qui m'habitait, en fait, qui me venait de la guerre. Alors, ce qui reste, alors là, déjà, j'ai un roman inédit et je pense de plus en plus que je n'ai pas envie de l'éditer. Je pense que ce serait, pour l'instant, le roman qui m'a permis, indépendamment d'un travail de psychanalyse, mais par rapport au travail littéraire, j'ai eu vraiment besoin. Alors, peut-être qu'un jour, quand une génération d'anciens combattants
ne sera plus là, peut-être qu'à ce moment-là, je l'éditerai parce que c'est très compliqué quand il faut revenir vers la guerre parce qu'il y a des gens qui sont toujours là. En fait, au Liban, on se dit toujours, mais où sont les mutilés de la guerre ? C'est un ancien ambassadeur au Liban, un ambassadeur de France qui m'a posé cette question la première fois qu'il m'a vue. Et je me suis vraiment sentie le poète de la cité, le porte-parole de ma tribu. Il me dit comme ça, où sont les mutilés de la guerre ? Et j'ai trouvé ça vraiment très fort. Mais où sont les mutilés ? Où sont les combattants ? Ils sont partout, en fait. Mais on ne sait pas qui a fait quoi. Et moi, j'ai interrogé pas mal de gens pour pouvoir écrire ce livre, mais je sens que je ne peux pas le faire. Pour l'instant, je ne sens pas, même si j'ai tout fait pour cacher les identités, bon, après, sur le plan littéraire, c'est pas grave, la littérature fera le chemin qu'elle voudra, le livre sortira ou ne sortira pas, mais le plus intéressant, c'est de revenir à qu'est-ce qui reste de nous. Alors, il y a des pages inédites, il y a donc non assumées encore, il y a assumées pour moi, mais pas encore par rapport à ma place dans la société, dans la famille, auprès d'amis, même si je l'assume dans quelques articles, parce que c'est des questions encore très douloureuses. J'ai sorti un article récemment dans En attendant Nado sur un livre sur la guerre. Je ne vous raconte pas les réactions que j'ai eues, les lettres, c'est toujours très violent. Et ce qui reste de cette période, alors peut-être qui m'aide aujourd'hui, c'est de me dire que de toute façon, même si nous n'avons plus notre argent dans les banques, même si tout s'est effondré, aujourd'hui la pierre s'est effondrée aussi dans l'explosion de Beyrouth, ça va revenir. Ça va revenir. Et c'est peut-être ça qu'on appelle de l'extérieur une résilience. Après, je ne dis pas que c'est magnifique, que c'est. Je ne dis pas du tout que c'est très beau de vivre de nouveau dans ces situations-là, mais je sais que ça va passer. C'est peut-être que c'est pour ça que ça nous aide à tenir bon et que nous avons d'autres traumatismes dans notre mémoire collective. La famine de 14, la potence, et c'est des symboliques qui sont revenus. Aujourd'hui, parce que je ne sais pas si vous avez vu sur ceux qui connaissent un peu le Liban et les réseaux libanais, la potence qui revenait, un désir métaphorique de tuer les dirigeants, comme à l'époque ottomane ont été en fait tués des journalistes et des intellectuels sur la même place de Beyrouth, et une peur de mourir de faim avec l'effondrement économique. Et je pense que nous sommes habités par beaucoup de choses, beaucoup de lourdeurs historiques, enfin beaucoup de et que nous transformons parfois dans notre imaginaire. Et voilà. Mais c'est tout ce que bon, pour revenir à l'essentiel, j'espère vraiment que chacun parmi nous réussira cette sortie de communauté, cette sortie de récit. Pour pouvoir vraiment réussir à construire enfin un collectif habitable et partageable, où l'état de droit pourra nous défendre tous. Voilà. Pascal, sur cette question de qu'est-ce qui reste pour toi, qu'est-ce qui reste pour toi de cette jeunesse, mais qu'est-ce qui t'a construit et qu'est-ce qui te construit encore aujourd'hui, toi qui as et depuis quelques années hors du Liban, tu habites hors du Liban, mais tu y reviens évidemment très fréquemment. Et quel regard tu poses justement sur à la fois ce qui t'a construit et ce qui te permet aussi de poser ce regard sur ton pays ou ta ville? Écoute, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est Dans le fond, c'est un amour de la vie. Et c'est quelque chose que j'emporte avec moi partout. Et je réalise que c'est ce regard, justement, dont je parlais tout à l'heure, de tolérance, de,
de curiosité de l'autre, etc., que j'applique partout. C'est un peu comme mon bagage culturel, le bagage que j'ai emporté avec moi. Et pour revenir à la situation actuelle de Beyrouth, parce qu'on a tout parlé de nos expériences personnelles, j'aimerais quand même dire que je ne suis pas... Bon, il est vrai que l'explosion du 4 août a été très forte et on était dans un temps suspendu pendant longtemps. Hein. Moi, je suis arrivée le lendemain, je n'étais pas sur place au moment même. Et mais d'un autre côté, c'est une. Je suis de celles qui pensent que les crises sont une opportunité pour le changement. Et ce que je vois maintenant, à travers un projet que je suis en train de monter avec des jeunes artistes là-bas, c'est que c'est vrai que ceux qui ont le plus souffert, par exemple actuellement, hein, de l'explosion, ce sont plutôt au niveau de la scène artistique et culturelle, les artistes qui sont établis, qui avaient des structures, qui ont été endommagés, etc. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a comme un tremplin générationnel, il y a un saut, et je vois que maintenant, la mobilité a sa place. Et du coup, je vois qu'il y a tout un groupe de jeunes de 25 ans qui s'approprient le terrain et qui créent de nouvelles structures. Que ce soit au niveau de la scène underground ou bien la scène qu'on voit beaucoup plus, quoi. Que ce soit en musique, en design, illustration, les festivals, les nouveaux festivals, etc. Je trouve qu'il y a un dynamisme fou. Et c'est justement, c'était comme des personnes qui étaient empêchées par quelque chose. Et tout d'un coup, on les voit, ils explosent avec de nouveaux projets, avec de nouvelles idées. Et je trouve ça fantastique, en plus avec un sens de l'humour, par exemple, une boîte de production qui s'appelle Mafi Budget Productions. Mafi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget. Le nom de la société de production, c'est qu'il n'y a pas de budget production. Hein. Donc, je trouve qu'il y a cette part de jeu qui est intéressante et qui montre justement que malgré tout, il y a cette vie, il y a ces idées qui jaillissent, il y a ce dynamisme. Je suis vraiment très très contente de ce chamboulement, quoi, de la scène, et de voir qu'enfin on peut qu'il y ait de nouveaux acteurs qui peuvent occuper la scène culturelle. Je ne sais pas, Rita, toi qui es sur place, comment tu vois ça? C'était juste pour sortir un peu de nos expériences personnelles, de ramener ça à une échelle un peu plus large de la vie. Moi, je trouve, oui, je suis d'accord, Pascal, avec toi, que le dynamisme ne s'est pas arrêté, enfin, est toujours là, avec un renouvellement et une présence toujours d'anciens acteurs. Alors, bien sûr, certains aussi ont décidé de partir parce que après l'année, ceux qui ont vraiment cru, bon, moi, j'étais très active en toute l'année 2019 dans la rue et tout. Mais ceux qui ont réellement cru en un changement imminent étaient tellement déçus qu'ils ont décidé de partir. Après, c'est sûr que de Beyrouth, on ne part jamais parce que même en étant ailleurs, nous produisons toujours avec le terrain. On va peut-être prendre un break de 5 ans, revenir un an, quelques mois, créer quelque chose ailleurs. Et moi, je trouve que tout se poursuit dans la création. Chacun a son rythme et chacun. Alors, il y a des artistes qui ont eu besoin de vraiment de réagir très vite, d'autres qui attendent. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent au niveau de la sculpture, du théâtre, de la danse. Et il y a aussi la pandémie qui empêche aussi la mise en place immédiate de toutes ces initiatives, mais ça va venir. Et ce qui est très intéressant aussi à observer sur la scène culturelle libanaise, c'est que
dans l'absence totale de l'État et de ses institutions, tous les financements viennent de l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas mourir. Moi, je ne suis pas pessimiste pour la scène culturelle libanaise. Après, bien sûr qu'il faut penser à un modèle économique transitoire pour que, enfin, des festivals gratuits, que tout soit pour permettre aux individus d'aller au théâtre, d'aller au festival. Mais je veux dire que les acteurs auront toujours de petits budgets qui viennent de l'extérieur. Malheureusement, c'est toujours le cas. Ça a toujours été le cas au Liban. Parce qu'on ne peut pas compter sur le ministère de la Culture pour rien. Enfin, moi, j'avais eu un minuscule budget pour mon film en 2009. Avec le changement de ministre, on nous a même dit, on nous a suspendu la subvention qui était ridicule, style 1000, 2000 dollars pour un film. Et en fait, parce qu'il paraît qu'un ministre avait décidé que nous étions un gaspillage d'argent, alors qu'il n'avait pas compris que la culture est toute une industrie qui génère vraiment, qui crée des métiers, qui fait vivre beaucoup de gens, en fait. Voilà. Mais donc, non, mais c'est sûr que ça reste très, très dynamique, malgré tout. C'est-à-dire que malgré ce calme apparent hein, qu'on voit en se Oui. disant après l'explosion, il y a tout un fourmillement et il y a beaucoup de nouvelles structures qui sont en train de voir le jour et qui sont beaucoup dans le pluridisciplinaire. Oui. Et puis comme Manuel, tu l'avais dit aussi, c'est que enfin. Ou Thibault, je ne sais plus qui avait dit qu'en ce moment, enfin, tout le monde essaye d'écrire. Nous essayons d'écrire. Moi, je suis dans des projets d'écriture. Nous essayons de. Nous sommes dans une attente, dans une préparation post-pandémie. Oui, c'est vrai, si je peux me permettre de commenter, c'est effectivement, il y a cette, on est dans cette attente post-pandémie, mais après, selon les pays, quand on a la chance de pouvoir voyager un peu, on perçoit bien comment chaque société, même si c'est un amalgame, vit cette pandémie, hein, avec Oui. accablement. Avec Oui, colère, avec et c'est drôle parce que si je peux me permettre ce témoignage, puisque au mois de décembre j'étais à Beyrouth et je vous ai vu toutes les deux et j'y suis allée dans un contexte qui était un contexte avec la fondation, le Fonds Roberto Cimetta, de pouvoir apporter une contribution, une aide, un support, enfin quelque chose à des organisations culturelles dont au départ, en tout cas, on m'avait donné une espèce de ligne de conduite en me disant voilà, il y a un besoin d'accompagnement parce que vraiment les gens sont au bout du rouleau, les gens sont totalement accablé, donc il faut venir et puis peut-être leur proposer quelque chose qui peut leur permettre de reprendre leurs esprits, se reposer, redynamiser des choses. Donc tout à fait, voilà. Donc moi je suis arrivée avec cet état d'esprit en disant voilà et avec ce discours. Je sais pas si tu te souviens Rita, c'était ça. Et bien sûr, je me suis trouvée face à trois organisations notamment hein, avec lesquelles on va continuer à travailler qui chaque fois m'ont dit ok oui bon ben bien sûr on accuse le coup plus ou moins bon c'est pas facile mais en fait non on y va nous hein. Donc on a un programme on a des projets si vous venez et que vous nous aidez à les réaliser et à ce que effectivement ça bénéficie à un plus grand nombre que simplement notre propre organisation tout va bien mais nous on y va c'est-à-dire là moi j'ai été absolument stupéfaite de cette énergie de cette volonté de cette rage aussi à faire et c'est absolument enfin c'est totalement époustouflant et admirable.
Oui, et Manuel, c'est vrai que maintenant que tu m'as fait penser que quand tu es passé au Liban, il y a eu quand même un festival, le festival Chant, qui se poursuivait. On a eu, alors qu'il y avait la pandémie, mais tout le monde a respecté le port du masque. Il y a eu un concert de Brahim Malouf, un concert Le lendemain. de Tarek Yamani. Bachar Mal Khalife a sorti quand même son album en ligne. Il y a eu vraiment, ça ne s'est pas arrêté. Alexandre Polykevitch qui a tenu à maintenir son spectacle. Je sais que Ali Shahrour, avant sa tournée internationale, va le faire, va, enfin, va tient à faire, à présenter son spectacle au Liban comme il le fait toujours avant sa sortie internationale. Et je sais que bon, voilà, il y a des sculpteurs qui préparent des choses. Et voilà, le plein air nous a permis de poursuivre. Il y a eu aussi un énorme festival aussi l'été dernier, en septembre, à Tanaïel, autour du lac, dans la Beka, parce que c'était en plein air. Et je pense avec le beau temps, on peut imaginer des projections de films en plein air aussi. Oui, mais au mois de décembre, tu vois, je suis restée 5 jours. En 5 jours, j'ai fait 4 vernissages. Oui, aussi, il y a les vernissages, c'est vrai. C'était incroyable. Je veux dire, ça faisait des mois et des mois que le mot même n'existait plus dans notre paysage français. Et personne qui m'a, toutes les personnes qui m'ont emmenée à ces vernissages ne m'ont pas emmenée à ces vernissages de façon exceptionnelle, en me faisant dire, en disant, oh, c'est incroyable, il y a un vernissage. Non, non, ce soir on va à un vernissage et demain on va à un autre, on va à un autre. Et donc il y avait cette, effectivement une espèce de continuité de la vie, quoi qu'il arrive. Et qui probablement, alors tu disais que vous n'aimez pas le mot de résilience, mais qui prend quand même peut-être quand même un peu appui sur cette capacité que vous avez à traverser les choses, quoi, et à les traverser. Voilà, et ça, je trouve ça assez remarquable, quoi. Moi, j'ai essayé, bon, une fois, quand on a dit qu'on voulait organiser cette rencontre, j'ai essayé de voir, un peu, maintenant que je suis à l'étranger, de définir un peu ma route et de me dire qu'est-ce qui me touche encore quand j'arrive là-bas, tu vois. Et en fait, la première chose, je me suis dit, en fait, Beyrouth, c'est une ville qui nous touche si on est sensible à la générosité. Et ça, on le sent tout de suite. Hein. Quand on arrive sur place, il y a même si ceux qui vivent là-bas sont parfois gênés, etc., par un trop-plein de générosité, mais pour nous, venant de l'étranger, ça nous touche. Il y a aussi une autre chose, c'est que Beyrouth, c'est une ville qui amplifie les choses. Il y a une plateforme en ligne qui a été créée qui s'appelle Mégaphone. C'était pendant la révolution d'octobre 2010. C'était octobre 2019, non? Oui. Je trouve que le mot mégaphone lui va bien à Beyrouth. Hein. Et il y a une autre chose, c'est que c'est une ville ouverte. On a vu le sens de l'entraide hein, qu'il y avait, et même ouverte pour l'accueil d'artistes étrangers. Je pense essentiellement, par exemple, au début des années 2000, à un artiste irakien de théâtre qui s'appelle Jawad Lassadi, hein, qui était venu s'installer à Beyrouth, qui a été accueilli à bras ouverts et qui est devenu un acteur culturel majeur de la ville. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont cette générosité. Et j'ai pensé aussi que c'était une ville intense, avec beaucoup d'émotions, mais c'est aussi une ville où l'on peut se brûler si on n'a aucune protection. Donc, en fait, il y a ces deux aspects, attirance et attention de ne pas se brûler. Oui, tout J'ai à fait. pensé à l'œuvre de Mona Hatoum, une artiste qui travaille beaucoup sur cette distance, l'attrait de quelque chose. Ce sont des installations. Et puis une fois qu'on s'approche, on se dit non, attention, on va se brûler ou on va se piquer ou bien, enfin, il faut trouver la bonne distance. Oui.
Oui, Pascal, et c'est vrai qu'il y a eu d'abord l'arrivée des Irakiens, puis des Syriens, et puis il y a des artistes qui sont là et qui ont créé une ambiance vraiment magnifique de cosmopolitisme et qui avait aussi à la fois, c'était très paradoxal aussi pour eux parce qu'il y avait à la fois le milieu culturel qui les accueillait bien. Et la loi qui les embêtait avec leurs papiers et qui a d'ailleurs fini par les faire presque tous partir malheureusement. Et il y a eu beaucoup de projets trans-arabes qui ont été créés dans la scène hip-hop, rap, underground, les films. Il y a eu beaucoup de travail trans-arabe, enfin, d'Égypte aussi. Mais c'était surtout Liban, Syrie, Palestine et des Palestiniens de Jordanie qui venaient, enfin des sorties d'albums. Le festival Beirut and Beyond a aussi encouragé ça énormément. Donc, mais c'est vrai, c'est ça, c'est toujours le problème, cette générosité d'un côté. Et là, je suis vraiment, je peux témoigner depuis qu'on assiste à l'effondrement de la livre. À chaque fois, tout le monde disait Ah, mais maintenant la violence va commencer, les vols. Non, mais je me sens toujours en sécurité. Il y a beaucoup de d'initiatives, d'entraide. Vraiment, alors que la société libanaise est une société qui aimait beaucoup le bling-bling, là, tout d'un coup, elle assume parfaitement son appauvrissement. C'est vraiment très contradictoire, très contradictoire. Il y a eu beaucoup d'amour entre nous après l'explosion parce que nous étions dans les rues en train de tout balayer, de nous entraider, de voir qu'il n'avait pas de toit et de nous héber enfin, d'héberger les gens, de nourrir ceux qui n'avaient plus de cuisine ou ceux qui n'avaient plus d'argent, alors que tout le monde annonçait déjà la violence qui allait s'emparer des rues. Et nous tenons jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an. La diaspora a été très généreuse et à la fois mais à la fois qui va nous ne savons toujours pas qui va être jugé face à cette explosion. Nous n'avons aucun droit. Nous n'allons pas avoir de réparation. Voilà, et le plus faible face à la loi c'est celui qui va partir, comme toujours. Donc, c'est très paradoxal. C'est une ville qui donne beaucoup et qui prend beaucoup. Et c'est difficile de trouver la balance. Et moi, enfin, c'est vraiment très difficile il faut réussir à se réconcilier avec cette ville pour sortir de l'amour-haine par lequel on peut passer un moment de notre vie et pour pouvoir vraiment se libérer et décider vraiment de ce qu'on veut de cette ville. Et de ce que nous avons décidé de ne plus attendre pour ne pas souffrir. Et voilà. Bien, Il faut dire que. est-ce que. Pardon, Pascal, excuse-moi, vas-y. Non, je voulais dire qu'en fait, la société civile est très, très dynamique. Et justement, parce qu'on ne compte pas beaucoup sur l'État, mais je me rappelle en 2006, quand il y a eu 200 000 déplacés suite au bombardement du sud du Liban, en 24 heures, ils étaient tous casés. Et c'était des associations, des organismes, etc., qui les ont pris en charge et qui se sont organisés en un temps vraiment record. Donc, de ce point de vue, vraiment chapeau, hein. On l'a vu aussi avec la dernière explosion là, du 4 août. Pareil, hein. Il y a tout de suite eu des prises en charge, il y a eu des mouvements spontanés, mais il y a eu beaucoup de mouvements très organisés très rapidement. Et donc ça, vraiment, je tenais à le mentionner. Bien, est-ce que peut-être on pourrait donner la parole à tous ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être des questions ou des commentaires? Thibault, c'est toi qui Oui. ou Nancy, est-ce qu'il y Oui, a non, non, j'ai forcément pas mal de questions. La première, c'est peut-être sur. Vous en avez un petit peu parlé, mais on a quand même l'image aussi d'une mosaïque à Beyrouth avec les cultures et les communautés.
Et du coup, c'est un peu, on l'avait vu et ça a été dit par Rita tout à l'heure. Nous, quand on avait passé un film sur un documentaire sur le hip-hop et les cultures du tag, enfin un peu underground à Beyrouth, qui avait un échange en fait entre les communautés et que les jeunes dans la création, c'était assez peu figé. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu là-dessus pour nous là, qui sommes pour la plupart ici en France, comment en fait comment ça se joue, les communautés se mélangent quand même facilement, et si enfin ici elles se mélangent plutôt facilement sur quel registre en fait? Est-ce que c'est essentiellement la culture ou non, ça peut être plein de registres économiques, éducatifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En effet, dans la scène underground et la scène culturelle, c'est un milieu très très mixte et ça c'est vraiment très très beau. Quand je disais au départ que est-ce que je peux vraiment parler d'un retour au pays natal, ce serait difficile de le qualifier comme ça parce que j'ai vécu trois départs. Un premier départ de Beyrouth à Paris et un autre départ de Paris à Beyrouth dans un Beyrouth qui était totalement différent de celui de mon enfance parce que mélangé. Et c'était très beau de découvrir un nouveau pays, en fait. Et vraiment, moi, je peux vraiment vous confirmer que dans la scène culturelle, il y a vraiment, et dans la société civile aussi, il y a dans les mouvements de la société civile, vraiment pas du tout de communautarisme. Et c'est vraiment, il y a une... Je ne peux même pas dire qu'il y a une lutte parce qu'on a dépassé cela. On ne lutte plus. Nous sommes mixtes. Alors, bien sûr, moi, je souhaiterais aussi, indépendamment de tous les conflits politiques, qu'il y ait aussi le retour de la communauté juive libanaise, parce qu'il y a des synagogues détruites, enfin, qui sont détruites par la guerre, reconstruites à Beyrouth, mais pas ailleurs. Et je trouve que c'est quand même, il y a un absent assez important, parce que je sais qu'il y a des juifs qui souffrent beaucoup d'être loin du Liban et qui a toujours été leur pays de... Donc, je pense que... Mais les autres qui sont restés sur place, dans le milieu culturel, nous sommes très mélangés. Ah, bah, d'ailleurs, la grande cinéaste Hani Sroor, qui est d'origine juive, qui est revenue présenter ses films et tout, donc, mais il n'y a plus de... Ils n'ont plus leur chez-soi, en fait, malheureusement. Donc, parce que partout dans ces conflits, la communauté est très vite confondue aux politiques, en fait. Et en économie, justement, plus on monte haut, plus il n'y a pas de communautarisme non plus. Et figurez-vous que dans les milieux politiques, il y a des mariages mixtes. Et ce sont ces personnes-là qui font vivre ce système communautaire, qui le nourrissent pour régner. Eux sont mixtes, en fait, pour partager le pouvoir, voilà. Et en fait, c'est après, malheureusement, dans l'arrière-pays, très vite, on va faire peur. Très vite, on va ressortir les fantômes de la guerre, de l'appartenance communautaire, et les gens vont suivre. Et moi, j'attends les prochaines élections, et je me dis que est-ce que vraiment les gens vont de nouveau voter pour leur leader? Est-ce que la société civile, est-ce que le milieu artistique va réussir vraiment toute cette lutte de l'année dernière? Je trouve que, à la fois, bien sûr, que le milieu culturel et la société civile ont beaucoup de mérite, mais je trouve que, en fait, du coup, les artistes et les intellectuels sont surpolitisés. Comme il n'y a aucun espace que l'État peut, enfin, occupé par l'État, tout est géré par les intellectuels, les artistes, la société civile. Ça crée des querelles différentes. Nous n'avons pas des querelles communautaires dans les milieux culturels, intellectuels, mais l'intelligentsia souvent est prise vraiment dans les deux axes est-ouest desquels on ne sort pas, alors que nous avons des valeurs communes, que nous pouvons construire une société civile. Voilà, en fait, je pense qu'on peut déjà commencer par ça, oublier l'Iran, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, tout, et essayer de, voilà, nous voulons
Voilà, comment gérer la voirie, comment gérer les écoles, la santé. Les minorités sexuelles ont tout à fait leur place dans ces milieux-là. Très bien, donc voilà comment vraiment sortir de dépendance des familles qui sont un microsystème, qui sont le reflet du système politique qui est surtout patriarcal et familial. Donc, c'est ça que je trouve dommage, en fait, et qui, enfin, je réfléchis aussi à voix haute parce que vraiment, à l'heure où nous, là, que nous vivons au Liban, l'effondrement à tous les niveaux, le constat de l'impossibilité toujours de créer, de mettre en place cet État suite à l'effondrement de l'Empire ottoman, je me pose beaucoup de questions, en fait. Où est l'échec? Parce que nous sommes tellement nombreux à croire, à lutter, à vouloir. Pourquoi on n'arrive pas à tuer symboliquement ce père qui est le chef de cette communauté qui c'est un pays démocratique. Les gens votent démocratiquement pour un chef de communauté sanguinaire, une mafia. Nous sommes responsables aussi, quelque part. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a de plus en plus de mouvements qui prônent la laïcité. Et pas essentiellement au niveau des jeunes. Hein. Il y a beaucoup de personnes, et ça s'est beaucoup manifesté, surtout à travers la révolution d'octobre 2019. Et on parle beaucoup de la déconfessionnalisation, etc. Donc, on ne veut plus être perçu comme appartenant à une communauté religieuse. Et on le sent et on l'applique sur le terrain, sauf qu'il faut que les dirigeants suivent. Oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des changements de constitution. Oui, mais c'est ça, qui va suivre qui? On est dans ce problème. Est-ce que les dirigeants... Comment, c'est très compliqué. Parce que les représentants ne nous représentent pas. Il y a un problème entre ce que est vraiment ce que sont les Libanais et ceux qui les représentent. Il y a un vrai problème. Déjà l'absence de femmes en politique, alors que la femme est partout au Liban. Enfin, en politique, elle est présente, mais elle n'est pas celle qui va représenter un parti. Et elle n'est pas, enfin, ni au Parlement, alors qu'elle est partout présente, chef de cabinet, femme d'eux, parce que c'est elles qui font plein de choses, dans les banques, dans le secteur bancaire, dans les entreprises, elles sont partout. Thibaut, tu veux continuer encore une question ou une autre question? Après ce témoignage flamboyant de Rita, c'est pas évident. Merci beaucoup. Oui, peut-être sur les langues, parce que donc du coup dans ce panorama, on se dit toujours ils sont super polyglottes quoi, les habitants de Beyrouth. Du coup, voilà où ça en est. Quelles sont les langues? Parler, enfin, comment ça se passe au niveau linguistique et dans les apprentissages aussi, parce que toutes les deux vous donnez des cours, donc voilà, dans quelle langue ça se passe, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Écoutez, les trois langues en général qu'on parle, c'est l'arabe, le français et l'anglais, enfin le libanais, le dialecte, le français et l'anglais. Au niveau des cours, ça dépend des universités. Il y a des universités arabophones, d'autres francophones. Mais moi, je sais que, par exemple, quand il y a des étudiants qui veulent présenter des exposés, je leur demande de choisir la langue où ils sont le plus à l'aise, mais d'utiliser une seule langue. Parce que le problème, c'est qu'on change beaucoup de langue dans le cadre d'une même phrase. Et donc, en fait, c'est assez libre à ce niveau-là. Et puis, toutes les théories qu'on entend à l'étranger, oui, quand vous avez des enfants bilingues, il faut parler seulement une langue avec votre enfant et puis l'autre parent parle une autre langue, ne pas mélanger, etc.
Ça, je l'ai vécu autrement. On a toujours mélangé toutes les langues et. Donc les habitants, tout le monde mélange un peu les trois langues, quoi, en gros. C'est ça. Si je peux me permettre, moi en tant qu'extérieur, la première fois que je suis arrivée au Liban et quand j'ai rencontré des gens jeunes, vraiment jeunes, hein, voilà, bon bah tu vois, on se retrouve, enfin je me suis retrouvée face à toute une génération de gens vraiment très jeunes qui parlaient effectivement libanais, français, anglais, hein, voilà, c'est tout. Et puis donc, moi, je me suis dit, mais c'est un cadeau, c'est un potentiel absolument incroyable d'avoir toute une jeunesse qui possède ces trois langues, qui effectivement possède à Beyrouth ces universités extraordinaires, une université américaine, une université francophone, une université Saint-Joseph, des universités qui n'existent pas depuis 10 ans ou 20 ans, hein, qui existent depuis 100 ans, enfin, je veux dire. Au début du siècle d'avant, donc qui ont inscrit des générations et des générations avec des cultures différentes. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire il y a la culture de l'université Saint-Joseph et francophone, il y a la culture de l'université américaine, il y a la culture de l'université libanaise. Donc c'est déjà quelque chose qui est sur un petit territoire comme ça, c'est déjà une richesse absolument colossale. Enfin. Formidable. On rêverait dans nos villes d'avoir ça, enfin, d'avoir cette richesse d'approches, parce que ce sont chaque fois des approches culturelles évidemment différentes qui sont liées bien sûr à la question de la linguistique et voilà. Oui, j'ai vu passer une question. Oui, c'est vrai qu'il y a un recul un peu de la francophonie que j'ai constaté. Parce que moi, quand je suis partie en 96, moi, je m'amuse aujourd'hui à dire à tout le monde, je suis le dernier dinosaure de la francophonie. Parce que je suis revenue en 2016 et j'ai vu que tout le monde, même dans ma famille, on me parle en anglais alors que nous étions très, très francophones. Donc, j'étais très surprise en fait. Mais je pense que enfin on continue à apprendre beaucoup de langues et c'est parce que c'est toute notre dépendance aussi quelque part un si petit pays qui a une énorme diaspora qui ne produit pas beaucoup c'est encore une catastrophe du système politique de après 90 parce que la production libanaise a été complètement tuée je suis convaincue volontairement pour tuer toute construction de syndicats, donc les travailleurs, c'est tout un chapitre à ouvrir à une autre occasion. Mais c'est vraiment une production du système, enfin vraiment une création de système pour ne pas avoir d'opposition en face, l'ouverture à des travailleurs étrangers qui n'auraient pas de droits, donc pour ne pas avoir de syndicats. Donc bref, donc comment vivre? Forcément, on a besoin de langue. Parce qu'on a besoin de rester connecté avec l'extérieur et que aussi avec toutes ces communautés et notre histoire, l'influence anglaise et française, déjà à la fin de l'Empire ottoman, puis tous les missionnaires, etc. Donc il y a eu aussi une tradition avec le commerce, avec Gênes, enfin le langage un peu commercial, des mots qui restent, le jeans, la farmacia, comme pharmacie de l'italien, un peu la lingua franca que parlaient un peu les commerçants. Donc on est un peu forcément poussé à parler plusieurs langues. En fait, tout ce qui n'est pas étatique fonctionne, finalement. Oui, c'est vrai. Y a une question qui dit quand est-ce que les prochaines élections présidentielles auront lieu? Dans 2 ans, je crois. Non, 2 ans. Est-ce Et qu'il y aura... législatives, dans 1 an. Est-ce qu'il y aura des femmes qui vont se présenter à ces élections? Alors, sans doute, sans doute. Déjà, il y a des associations qui luttent pour. Alors, la question du quota est posée et débattue parce que
Moi, au départ, par exemple, je m'opposais à la question de quotas, mais je suis de plus en plus convaincue qu'il faut. Mais après, si c'est pour avoir des marionnettes, la sœur de je ne sais pas qui et la veuve de je ne sais pas qui, parce que aujourd'hui, c'est ce que nous avons, c'est des femmes qui viennent remplacer des hommes absents, assassinés. Donc, c'est la sœur d'eux assassinée, la fille d'eux assassinée, l'épouse d'eux, la veuve d'eux, d'un type. Donc, si on va avoir ce cirque de nouveau avec la question de quotas, c'est ridicule, mais. Mais après, je pense qu'à un moment, on devrait imposer un quota parce que tout seul comme ça ne va pas, ça ne va pas se faire. Mais il y a des femmes prêtes, bien sûr, à participer. Jomana, je crois que tu veux parler. Oui, bonsoir. En fait, je voulais remercier les deux intervenantes. Quand tu m'as envoyé cette invitation, Nancy, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter à propos de Beyrouth et surtout de Beyrouth d'aujourd'hui? Et effectivement, à travers tout ce qu'on a entendu ce soir, j'ai entendu et j'ai vu l'image de la belle Beyrouth. Et non pas Beyrouth avec ses cicatrices, ses blessures, tous les traumatismes qu'elle a vécu depuis 30 ans et même plus. Donc, merci encore. Et surtout qu'elles ont insisté sur cette idée de reconstruire continuellement le pays, mais aussi se reconstruire en tant qu'individu dans ce pays. Et ma question que j'aimerais leur poser, est-ce que cette diversité dont a parlé Madame Manuel au début, cette mosaïque, cette richesse culturelle religieuse, n'oblige pas les Libanais à vivre toutes ces contradictions et ces problèmes et à devoir tourner continuellement des pages, en fait. Est-ce que ce n'est pas le prix qu'on a à payer à cause de cette richesse et de cette diversité? Je ne sais pas qu'est-ce que Rita et Pascal en pensent. Merci. Moi, je pense que c'est quand même une grâce d'avoir toute cette mosaïque, parce que finalement, comme personne ne s'entend vraiment sur un élément, on peut toujours avoir une marge de manœuvre et échapper à ce qui aurait pu se transformer, et on l'a vu dans les pays environnants, en une dictature. Donc, du coup, c'est cette mosaïque qui permet une certaine flexibilité et qui a permis à la dictature d'exister et de continuer à exister. Par contre, ce que je sens dans les expériences des personnes autour de moi, c'est qu'on revient toujours à la case départ. Mais évidemment, dans chaque répétition, il y a toujours une différence, hein. Et ils ont l'impression de revenir toujours à la case départ pour recommencer à construire. Et donc, je ne sais pas jusqu'à quand on peut continuer avec ce schéma. Hein. Il continue encore à fonctionner, et ça, je l'ai vu après l'explosion de l'été, mais je pense que ce modèle-là ne perdurera plus trop longtemps. Moi je pense qu'il faut réussir à vraiment s'affranchir de l'appartenance communautaire dans l'espace public pour réussir vraiment. Alors, c'est vrai que nous n'avons pas une dictature. Moi, je m'amuse à dire à mes amis syriens, vous avez un dictateur, nous avons 17 dictateurs. Parce que nous avons 17 communautés, parce qu'ils ne bougent pas, ça fait 50 ans qu'ils sont là. Et c'est vrai que moi je pense aussi que c'est vrai que c'est assez bête chez l'être humain à vouloir à ce point se faire la guerre pour une différence culturelle ou d'appartenance. Mais je pense aussi que aujourd'hui ce que nous vivons les gens au Liban
J'entends de plus en plus vraiment une entente nationale contre tout le système, mais peut-être que ce n'est pas encore assez mature. Je veux dire que le peuple est de nouveau victime. Il y a de nouveau, parce qu'en fait, on manque de héros national dans ce pays. Je pense que c'est ce qui nous empêche de nous recueillir devant, de nous retrouver autour de quelqu'un. Il n'y a pas une personne qui peut représenter les Libanais. Il y a eu un moment après l'assassinat de Hariri, juste un cadavre national. Ce n'était pas un héros national, c'était un cadavre national. Mais après, c'est très... Je ne sais pas pourquoi, en fait, on n'arrive pas à sortir de ça, alors qu'aujourd'hui, c'est un constat, en fait, que tout le monde partage, que nous sommes tous victimes, qu'on soit chrétien, musulman, sunnite, chiite, druze, du système politique, que nous avons été volés. Moi, je n'ai pas envie de dire trahis, parce que bien sûr qu'on ne peut être que trahi par une mafia et d'anciens chefs de guerre, mais auxquels je n'ai jamais cru. Oui, nous sommes tous victimes de ça. Donc, toutes les communautés du système. J'espère que ce sera une étape. Et puis, on pense beaucoup au mariage civil de plus en plus. Je pense qu'il va finir par passer. Moi, vraiment, je pense que d'ici 5 ans, ça finira par passer et c'est une étape importante. Et même aujourd'hui, on arrive à contourner la loi. On va à Chypre, en France, on fait des mariages civils qu'on inscrit dans la... Enfin, après, au Liban. Donc, je pense qu'on est en train, par cette possibilité, c'est par cet échappatoire, de les pousser un moment à ces chefs religieux d'accepter le mariage civil. Là, il y a une question autour d'un mouvement politique qui peut émerger de la société civile plurielle et imposer un renouvellement. Oui, moi, je pense au mouvement qui s'était présenté aux législatives Beyrouth Madinati, par exemple. C'était un mouvement laïque, civil, pluriel, et qui était sur le point de gagner. Oui. Mais bon, il y a eu des tergiversations, des histoires un peu souterraines qui les ont empêchés. Mais je crois qu'ils vont reprendre. Je ne sais pas, je suis pas sur le terrain, donc je ne sais pas un peu comment s'organisent les mouvements politiques. En fait, oui, à cette question, moi, j'avais suivi un peu de près, comme j'étais là toute l'année 2019. Je pense qu'il y a eu aussi une impossibilité d'entente à l'époque entre Beyrouth Madinati et un mouvement qui s'appelait Badnan Hassab, qui était d'une couche, enfin d'une classe sociale enfin, différente, parce que Beyrouth Madinati, c'était plus dans les quartiers bourgeois. Mais bon, après, je mets entre guillemets parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux. Et il y a eu des idées comme ça. C'était très bien, Beyrouth Madinati, nous voulons des pistes cyclables. Oui, mais nous, déjà, nous voulons manger. Il y a eu des réflexions. Mais, quelques années après, en 2019, ces mêmes personnes se sont retrouvées. Et il y a eu des noms de groupes qui ont changé. Par exemple, autour de Wasef Harake, aujourd'hui, il arrive, autour de son rassemblement, il arrive à avoir des gens de Badnan Hassab et d'ex Beyrouth Madinati et d'ex Badnan Hassab. Et c'est très, très mixte. C'est vraiment très mixte, chrétien, musulman, bourgeoisie, non-bourgeoisie, des quartiers jugés, les quartiers de la, entre guillemets, de la racaille. On est accueilli par la Seine-Saint-Denis, donc on connaît bien ces clichés assez stupides. Et donc, en fait, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire de réussir à rassembler tous les quartiers de Beyrouth face au système. Mais c'est vrai aussi, Pascal, en fait, que Beyrouth Madinati, quand même, les dernières élections, allait vraiment gagner, parce qu'en fait, tous les partis politiques se sont mis sur une même liste alors qu'ils étaient opposés pour faire perdre Beyrouth Madinati. C'est-à-dire que les gens du système, ils se mettent tous, ils arrivent toujours à s'unir pour garder le pouvoir quand il est question de leur place, en fait, de leur siège.
En fait, ce qui a été merveilleux en 2019, c'est ce décloisonnement de la société avec la révolution d'octobre. Et c'est là où les gens ont vraiment appris à se connaître et à partager. Oui. Et il y a eu aussi un retour à la consommation d'avant 90. Je me souviens, enfant, on n'avait pas encore ces accès au resto, toutes ces habitudes qui étaient vraiment pour les très, très riches avant. On s'arrêtait dans la rue, on achetait du maïs, des épis de maïs. Quand on avait faim, on s'arrêtait. Donc, le fait de manger debout sur la place publique, de nous asseoir. Et en 2019, c'est revenu. Il y avait même des installations de narguilés sur les trottoirs devant la mosquée et l'église. Surtout qu'en plus, l'une est en face de l'autre. Donc, c'est vraiment une réappropriation enfin de la rue, de la place publique qui était le centre-ville refait à neuf. Pour la bourgeoisie, alors que les Libanais ne se sont pas du tout retrouvés en 90 dans ce centre-ville qu'ils n'ont plus reconnu. Il n'y avait plus les souks, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus les vendeurs ambulants. N'en parlons pas des transports en commun qui ont été complètement arrêtés. Et, tout a été pensé pour empêcher les gens de vivre ensemble. Même quand on traverse... quand on est en voiture et qu'on passe d'une région à l'autre, même on sent que ce n'est pas la même société qui a construit cette autoroute du sud et l'autoroute du nord. Où, ben, c'est incroyable l'incapacité à avoir une vision qui peut vraiment assurer une connexion sur tout le territoire. Alors, moi, si j'étais présidente à l'époque de la République, j'aurais au moins décidé de rétablir, enfin, refaire, garder le transport ferroviaire, mettre en place des métros, plutôt que de payer à chaque fois. En plus, ils n'arrêtent pas de voler l'argent des subventions pour faire des autoroutes de très mauvaise qualité. Après, ils reprennent 5 ans plus tard. C'est... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Non, moi je voulais juste dire que après cette énergie que vous donnez toutes les deux, mais Rita, comme elle parle de la politique, je me dis, mais vous seriez très bien en présidente du Liban. En tout cas, vous avez convaincu déjà toute l'Assemblée ici. Et c'est déjà... je vais me présenter alors. Déjà, quand on donne une énergie comme ça de conviction et tout, ça existe, mais vous incarnez quelque chose. Quoi. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Manuel, tu voulais dire un mot en tout cas, merci beaucoup de toute façon à toutes les deux, parce que c'est vrai que ce regard croisé que vous avez sur cette ville a, je pense, beaucoup intéressé, dans la mesure où il était à la fois très sensible, à la fois avec un certain recul, mais à travers vos propos, il y avait, oui, cette passion que suscite cette ville, quoi, cette espèce de je dirais que moi je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aime pas Beyrouth. Voilà, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aime pas Beyrouth, c'est-à-dire quelqu'un qui ne soit pas libanais. Chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui avait eu l'occasion d'aller à Beyrouth, c'était toujours chaque fois Beyrouth, vraiment, l'envie d'y retourner, quelque chose qui est de l'ordre de la séduction totale, c'est-à-dire la séduction dans tous ces termes, c'est-à-dire quelque chose qui vous séduit par tout le bien et tout le pas bien, enfin, quelque chose qui est presque inexplicable de pourquoi tout d'un coup, il y a quelque chose de j'aime pas le mot magique parce que je trouve que c'est, mais il y a quelque chose qui est unique, voilà, à Beyrouth. Et ça, je trouve que c'est, il y a pas beaucoup de villes comme ça. Il y a pas beaucoup de villes où
où tous les gens qui viennent tombent sous une séduction, un charme, quelque chose qui est un peu comme ça, un peu envoûtant, et où on a envie de retourner, et où on ne comprend pas tout, parce que c'est super complexe, la question des communautés et tout, voilà, des territoires, enfin, il faut un petit bout de temps, mais n'empêche que, ouah, voilà, bon. Et c'est sûr que voilà que ça se boucle tout autour d'un café blanc qui est la quintessence des choses sur ce bord de mer qui est à la fois terriblement banal dans son architecture mais terriblement unique et voilà en tout cas aller à Beyrouth c'est formidable. Et merci en tout cas beaucoup, beaucoup à toutes les deux, merci à vous tous. Et puis, on continue le tour de Méditerranée et on fixera la date avec Thibault. Mais j'imagine, et en tout cas, si vous l'acceptez, je pense qu'on ira du côté de Palerme peut-être. Oui, bah, volontiers. En tout cas, merci à nos invités, Pascal et Rita. Merci Emmanuel pour ton animation. Merci à Nancy pour la logistique. Merci à vous toutes et tous. Merci, pour merci. Votre attention, merci. Votre écoute. Pascal, voilà. À bientôt, j'espère. Oui. Peut-être, je réfléchis à début juin. Et Rita, on se voit tout bientôt. Très vite. D'ici 8-10 jours. Hein? OK. Et puis voilà. Pour l'ODC, donc on aura une initiative dont on parlera un peu plus tard, le jeudi 20 mai. Vous pouvez déjà noter sur vos agendas, plutôt ce sera une conférence le soir filmée autour de la diversité culturelle, notamment en Seine-Saint-Denis, mais pas uniquement. Voilà, bonne fin de soirée à tout le monde, d'ici et d'ailleurs. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.